le Graal, c'est quoi finalement? Alors, dans ce que j'en déduis avec ce que j'ai trouvé, évidemment, c'est l'histoire. En fait, c'est l'histoire d'un cheminement initiatique. C'est pas un objet. Il faut arrêter de penser que ça puisse être un objet. Ça, c'était une transformation des légendes initiales. Donc, ce que les gens pensent ordinairement, c'est le calice qui a recueilli le sang du Christ ou la coupe du dernier repas. Ça, c'est une transformation qui a été faite 30-40 ans après les deux légendes initiales. Quand l'Église s'est rendue compte que les légendes marchaient bien. Et comme ces légendes marchaient bien, se sont interrogées, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Et ce qu'il y avait derrière, c'est en fait la description subtile, cachée, du cheminement initiatique, du cheminement spirituel, pas forcément conforme à l'Église catholique. Et donc quand l'Église a compris ça, elle dit, ouh là là, il faut qu'on christianise le sujet. Et c'est là que le Graal est devenu la coupe qui a recueilli le sang du Christ. Mais les deux premiers auteurs, c'est absolument pas ça. Les deux premiers auteurs, c'est qui alors? Alors, le premier auteur, c'est là où le mot Graal apparaît. Le mot Graal n'avait jamais fait son apparition auparavant, c'est Chrétien de Troyes. Donc là, on est en 1181, à Troyes, hein, comme son nom l'indique. Et donc lui écrit la première légende du Graal, ça s'appelle Perceval ou le Conte du Graal. Et c'est lui qui invente le mot, quelque part. Et lui, son travail a été commandité à la cour de Champagne, Troyes, par Marie de France, qui était la demi-sœur de Philippe Auguste. C'est intéressant parce qu'il va y avoir un conflit entre ces personnages-là. Et il a été sponsorisé, mécéné par Philippe d'Alsace, qui était le comte de Flandre, comme son nom ne l'indique pas, qui à l'époque, je crois qu'il draguait plus ou moins Marie de France, qui était devenue veuve. Donc il avait l'intention de réunir la Flandre et la Champagne, qui étaient à l'époque plus puissants que le royaume de France, tous les deux. La Flandre séparément, la Champagne séparément, étaient plus puissantes que le royaume de France. Donc il y avait des enjeux politiques dans cette alliance possible. Et donc c'est Philippe d'Alsace qui sponsorise Chrétien de Troyes dans l'écriture de ce premier conte du Graal. Et après il y a un deuxième auteur, qui est un Allemand, qui s'appelle Wolfram von Eschenbach. Lui c'est 20 ans plus tard, donc on est en 1200 hein, à peu près. Et donc c'est lui qui va nommément, dans ce deuxième ouvrage, qui est Parzival en allemand, qui va nommer les Templiers comme étant les gardiens du Graal. Et dans cet ouvrage-là, il glisse quelques petits indices qui vont nous amener sur des pistes qui datent du début de l'aventure templière, donc 80 ans avant. Et pour lui, le Graal est quelque chose de différent de pour Chrétien de Troyes. Donc ce sont deux auteurs qui sont liés à la Champagne. Les Templiers sont liés à la Champagne d'origine, mais ils disent pas tout à fait la même chose. Chez Chrétien de Troyes, le Graal, il dit simplement, il y a un cortège et il y a un roi malade, et ce roi malade reçoit la communion tous les jours. Donc il y a des serviteurs différents, il y a une lance, on lui apporte la communion, on ne sait pas si c'est un plat, un calice, voilà, c'est le Graal, c'est le truc dans lequel on lui apporte la communion. Donc les gens ont traduit, bah, ça doit être un calice. Puisqu'il apporte la communion. Mais il y a d'autres choses derrière, il y a un tailleur. Et en fait, en mode initiatique, tu as la représentation du 1, du 2, du 3, du 4. Donc la lance, c'est le 1. Ensuite, tu as le cercle, c'est le 0. Ensuite, tu as le triangle, et le 4, c'est le tailleur. Donc en gros, il y a déjà des petites références à la géométrie. Et derrière ça, on se dit, tiens, ça nous amène vers la tradition initiale, vers Pythagore et ce genre de choses-là. Et chez Wolfram, donc 20 ans plus tard, lui, il dit, voilà, ce sont les Templiers qui sont les gardiens du Graal, et il dit, le Graal est une pierre. Donc c'est pas le même truc. Les Templiers, c'est quoi les Templiers? Alors, on est 80 ans, enfin, pas 80 ans, les Templiers, leur ordre apparaît officiellement en 1129, à Troyes, du Concile de Troyes, et ils sont, enfin, les neuf premiers qui s'en vont en 1118. Donc, de fait, ils apparaissent en 1118 et juridiquement en 1129. Sauf que l'idée émerge 20 ans auparavant dans la tête du comte de Champagne de l'époque, le premier, qui était Hugues Ier de Champagne, et c'est lui qui va être, on va dire, le mécène ou l'inspirateur des premiers Templiers. On sait parce qu'il part en Terre Sainte avec les deux cofondateurs. Donc, Hugues Ier de Champagne, il va partir en 1104. Avec Geoffroy de Saint-Omer et Hugues de Payens, qui sont connus pour étant les deux fondateurs des Templiers. Et donc ça, c'est 1104. Il retourne en 1114 avec les deux mêmes,
Donc ils sont des voyages de reconnaissance un petit peu. Et c'est en 1118, là, Hugues de Champagne reste en Champagne, et neuf autres chevaliers, neuf chevaliers avec de Saint-Omer vont y retourner, là vont créer vraiment l'ordre, avec tout ce qu'il va faire. Et donc les Templiers, c'est cet ordre dont on dit qu'ils sont là pour surveiller les chemins contre les attaques des musulmans. Non, ils ont bien entendu d'autres fonctions. Enfin, ça fait... ces fonctions-là, c'est lié avec un autre personnage de Troyes. Et pour ça, Chrétien de Troyes est intéressant, parce qu'il est probablement un rappel d'un type qui s'appelait Rachi de Troyes. Et Rachi de Troyes, c'est un rabbin. Et c'est un rabbin qui vivait à Troyes, comme son nom l'indique, qui est aujourd'hui encore très utilisé. Il a fait des commentaires en français de la Torah, qui sont encore connus par tous les rabbins modernes, quoi. Et ce type-là, en 1099, il est à la cour de Troyes et il est connu de toute l'Europe. Tous les juifs un peu érudits viennent à Troyes pour écouter ce rabbin-là. Or, en 1096, il y a eu la première croisade. Donc les paysans, d'abord c'est des paysans, des gueux, on appelle ça la croisade des gueux, ils vont faire des massacres de juifs sur la route, des pogroms en Hongrie. Et il va y avoir donc des informations qui reviennent en France, notamment aux oreilles de Hugues de Champagne. Et on lui dit, voilà, ouais, il y a des gens qui massacrent les juifs sur la route. Et lui, oh là là, mais j'ai un grand rabbin chez moi, faut surtout pas qu'il se fasse massacrer, quoi. Donc de ce fait-là, il va l'inviter à la cour de Champagne, et Rachi de Troyes va rester pendant, jusqu'à sa mort en fait, jusqu'en 1106 à la cour de Champagne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le comte de Champagne est, entre 1097 et 1106, très intéressé, très curieux de la culture juive, notamment de la Kabbale. Et c'est pas du tout un hasard que 80 ans plus tard, on a un type qui s'appelle Chrétien de Troyes, qui au même endroit va écrire le Conte du Graal. Et pour le coup, ben, ça on y viendra après, mais ce qui moi me fait penser qu'il y a vraiment un lien entre, dans les sources du mot Graal, il faut arrêter d'aller du côté de l'Occitanie, comme les gens le pensent, mais il faut aller du côté de l'hébreu. Et ça, j'ai jamais entendu cette hypothèse-là. Pourquoi la cour de Troyes est si importante? Cour de Champagne, c'est Troyes, c'est ça? Alors, oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est à ce moment-là, avant, mais Hugues de Champagne, c'est le petit frère d'un type qui s'appelle Étienne de Blois. Hugues de Champagne est né à la cour de Blois, et sa belle-sœur, c'est la fille de Guillaume le Conquérant. D'accord? Donc Étienne de Blois est marié à la fille de Guillaume le Conquérant. Ça situe déjà la hauteur du personnage. Et c'est d'ailleurs dans leurs enfants, il y a plusieurs frères, il y en a un qui va devenir roi d'Angleterre du fait des règles de succession. C'est là qu'en fait on va avoir la source des origines des guerres entre les Français et les Anglais. C'est qu'il y a un moment, il y a un enfant de la fille de Guillaume le Conquérant qui va se retrouver en possession de la couronne d'Angleterre. Et donc les Anglais vont dire, bah, la France c'est chez moi, et les Français vont dire, bah, non, enfin, bah, bref, ça c'est une source. Et donc, pourquoi la Champagne est importante? C'est que à ce moment-là, plusieurs territoires de Champagne appartenaient au comte de Blois. Et il va donc les répartir entre différents enfants. Donc Étienne va rester sur Blois, Eudes va avoir la partie, je pense, c'est du côté de Châlons ou autre, Hugues va avoir Troyes, et manque de bol, le frangin qui a une partie de la Champagne va mourir jeune. Donc du coup, c'est son petit frère, Hugues, qui va récupérer trois petites zones qui vont faire la nouvelle Champagne. Donc c'est le premier comte de Champagne. Mais de ce fait-là, la Champagne n'est plus des petites zones séparées, elle devient un énorme comté, super puissant, super riche, plus grand que le royaume de France. Et c'est à ce moment-là que, bah, évidemment, le royaume de France commence à se dire, waouh, un concurrent qui est un peu sérieux là. Et évidemment, après, avec la proximité de la Flandre, à ce moment-là, s'il y a alliance Flandre-Champagne, ça va devenir une catastrophe pour le royaume de France. Et donc l'importance de Troyes est liée à cette histoire de succession, de partage de territoire, quoi. Et Hugues de Champagne, en fait, quand il récupère les territoires de Champagne, lui, il est jeune, hein, et il va pas aller à la croisade parce qu'il vient juste de récupérer cette responsabilité. Donc il doit avoir 22, 23 ans, peut-être encore un petit peu jeune pour aller se battre, quoique, mais surtout, il doit unifier les territoires qu'il a. Donc il dit, moi, aller aux croisades, c'est pas l'heure pour moi, j'ai autre chose à faire. C'est pour ça qu'il n'y va pas. Par contre, son grand frère, donc Étienne de Blois, lui, va y aller
y a d'autres affaires. Et là, on va retrouver un personnage super important dans l'origine des Templiers. C'est une partie de l'histoire, mais... Ouais. Donc en fait, le Graal, au départ, c'est une histoire. Le Graal, c'est... C'est un conte, c'est une ouais, histoire. Au départ, c'est un conte, c'est une légende. Sauf que c'est une légende à vocation initiatique. Comme c'est une mythologie, en fait, hein, comme n'importe quelle mythologie. Inspiré évidemment de, en partie des mythologies celtes, l'histoire d'Arthur, les chevaliers de la table ronde, on va mélanger un peu ces histoires-là. L'histoire, alors, il n'y a pas de vase hein, à ce moment, dans les deux premières légendes, il n'y a pas de vase. On va le retrouver après, mais on pourrait lier ça aussi aux histoires du chaudron chez les celtes. Toute la mythologie autour du chaudron celte, le chaudron des abysses, le chaudron de la Renaissance, etc. Donc il y a des accointances entre les vieilles légendes celtes, et cette nouvelle légende du Graal, qui est nouvelle au moment où elle est écrite, en fait. Et, mais ça, ça n'est qu'une légende. Mais le contenu de cette légende, quand on le décrypte, aujourd'hui, il y a des auteurs qui ont fait le travail d'aller comprendre l'itinéraire initiatique qui est derrière, c'est vraiment une description du cheminement intérieur, du cheminement spirituel. Voilà, ils ont intégré quelques éléments chrétiens, quand on parle de la communion, etc., et quand tu décryptes, tu te rends compte qu'on peut se passer du christianisme dans l'affaire, quoi. C'est vraiment le cheminement intérieur qui est décrit à travers les péripéties, les épreuves, les rencontres, des chevaliers, tout ce qui lui arrive, etc., quoi. Et là, il y a un parallèle avec notre époque. Évidemment, le roi malade, le royaume malade. Alors c'est assez amusant quand on lit le descriptif de se dire, mais après tout, on dit que donc ce roi malade a laissé péricliter son royaume. Donc il peut plus s'en occuper, il est plus en bon état, et la guérison ne viendra de lui-même, du roi, et de son royaume, que quand un chevalier viendra et posera les bonnes questions au sujet du Graal. Donc le Graal, c'est même pas un objet qui en lui-même va apporter la guérison, c'est le fait que quelqu'un pose les bonnes questions. Comment ? C'est plus un raisonnement ? Ouais, une interrogation sur « mais qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là, c'est quoi, quoi ?» Alors on peut faire le parallèle avec l'époque actuelle, quoi. C'est on a peut-être un roi malade, je ne citerai personne, hein, mais, on a un pays malade, et il faut se poser les bonnes questions. Et peut-être que la légende du Graal nous invite à nous poser des questions plus intérieures que des questions plus extérieures. C'est oui, un des parallèles avec l'époque, quoi. La fonction spirituelle, en fait, de cette légende-là. Et le vase de Soissons, là-dedans. Les... Le vase de Soissons, là-dedans. Non, ça, c'est... on pourrait faire un lien avec l'histoire de Clovis, mais enfin, ça nous amènerait un peu loin, là. Par contre, il me revient, c'est le mot Graal. Parce que le mot Graal, en fait, beaucoup d'hypothèses ont tourné autour, disons, on cherchait d'où ça vient. Et les deux plus grandes hypothèses, c'est ça viendrait de gradaler, qui veut dire vase en occitan. Et alors évidemment, chez Wolfram von Eschenbach, le deuxième auteur, il cite, ouais, j'ai eu vent de cette histoire-là par un occitan, qui est le provençal. Donc ce qui fait que les gens se disent, bah, c'est peut-être un mot qui vient de l'occitan. Chez Chrétien de Troyes, c'est pas le cas. Du Troyes, c'est pas du tout en Occitanie. Donc on oublie le rapport avec l'Occitanie. Et, mais du coup, des gens se sont dit également, ça peut être le sang gréal, le sang royal. Donc une contraction de sang royal. Le sang royal étant le sang de Jésus, ce qui a pu donner du coup la coupe du Christ, le sang du Christ, etc. Et alors, c'est pas une hypothèse idiote, parce que je vous ai dit tout à l'heure que c'est Philippe d'Alsace qui avait commandité le comte. Eh bien, son père, qui s'appelait Thierry d'Alsace, donc comte de Flandre, je le rappelle, comme leur nom ne l'indique pas, c'est Thierry d'Alsace qui a reçu en récompense de ses faits militaires, je pense c'est en 1148 ou 49, à Jérusalem. Il a reçu une relique du sang du Christ. Bon, fausse, bien entendu, toutes les reliques sont probablement fausses, mais néanmoins, à l'époque, c'était vénéré, quoi. Et cette relique-là, elle était d'abord dans le Saint-Sépulcre à Jérusalem, quand les croisés sont arrivés en 1099 pour prendre Jérusalem. Donc les croisés l'ont amenée du Saint-Sépulcre pour la mettre dans ce qui est aujourd'hui le Dôme du Rocher, la mosquée que tout le monde connaît à Jérusalem, hein, avec le toit doré. Et les croisés, les templiers, tout le monde pensait que c'était le temple de Salomon. Bon, c'est faux, mais ils pensaient que c'était le temple de Salomon. Et donc, ils ont placé les reliques à cet endroit-là. Et pour eux, c'est important, le temple de Salomon. Et dont cette relique du Saint-Sang, qui date du moment où la mère de Constantin, enfin, ça, de l'époque romaine. En fait, quand Constantin a voulu christianiser l'Empire romain,
Il a envoyé sa mère là-bas, il trouve moi des reliques. Bon, voilà, elle a inventé un certain nombre de reliques, dont celle-là. Et donc, pour bons et loyaux services militaires, Thierry d'Alsace reçoit cette relique-là, également parce que le roi de Jérusalem, qui est un roi franc, se dit, ouh là là, militairement, on sent que les musulmans vont nous écraser à un moment ou à un autre. On dit qu'il faut qu'on protège les reliques. Et donc, il a chargé Thierry d'Alsace de ramener cette relique-là, et elle est aujourd'hui toujours à Bruges, dans la cathédrale du 500. Encore maintenant, tu peux aller voir cette relique du 500 à Bruges. Donc, ça pourrait se dire, ben oui, puisque le fils de ce gars-là qui reçoit la relique, qui l'amène à Bruges, en Flandre à l'époque, on pourrait évidemment se dire, ben, il y a une possibilité que que ce sang royal ait donné l'appellation du Graal. Moi, j'y crois moyennement, mais pourquoi pas, c'est une possibilité. La deuxième possibilité, et c'est ce que je vous disais, c'est le rapport avec Rachi de Troyes. Et dans la prière juive de tous les jours, mais à l'époque, les chrétiens et les juifs, ne s'entendaient pas trop. Donc il y a très peu de chrétiens, et les auteurs qui ont travaillé sur la question ne sont pas penchés sur l'hébreu. Ils ne sont pas penchés sur la culture juive. Et ils ne savent donc pas qu'au milieu de la prière juive, la prière de tous les jours, comme le Notre Père chrétien, il y a un passage qui s'appelle le Gaal Israël. G2AL. Le Gaal Israël. Et qu'est-ce que ça veut dire Gaal Israël? C'est la délivrance du peuple juif, du peuple d'Israël, et le retour à Jérusalem. Donc c'est la délivrance finale. Donc chez les juifs, le concept de délivrance finale, c'est l'accession à la Terre Sainte, à Jérusalem, etc. Et il y a beaucoup de jeux de mots dans cette affaire-là. Et quand on rajoute le R, R en hébreu, c'est la lettre Resh. Toutes les lettres hébraïques ont une signification. Et Resh, ça veut dire la tête. Donc quand tu ajoutes la tête R à Gaal, qu'est-ce qu'on te dit? Potentiellement, hein, c'est mon hypothèse, il te suffit de rajouter un peu ta tête, ton intelligence, ta connaissance à la délivrance finale, et tu vas comprendre ce que c'est le Graal. C'est cette délivrance finale. Par contre, deuxième partie du jeu de mots, il y a un moment, il faut lâcher prise. Donc il faut également retirer la tête, retirer l'intellect, pour que cette délivrance finale soit effective et qu'elle devienne le Graal. Donc c'est l'hypothèse que je fais, d'où l'importance de connaître le lien Rachi de Troyes, chrétien de Troyes, et le lien, ben c'est les comtes de Champagne successifs qui portent ça. Voilà. Et un élément qui permet de se dire l'importance de ça, c'est que Hugues de Champagne connaissait l'abbé de Cîteaux, naissance des cisterciens, avant que Bernard de Clairvaux, super connu, développe les cisterciens. Donc Bernard de Clairvaux arrive chez les cisterciens en 1112. Et les cisterciens commencent avant. Robert de Molay, Étienne Harding, etc. Et Étienne Harding, qui est un abbé qu'on dit avoir été druide, enfin bon, d'origine irlandaise, il va faire venir, sur commande de Hugues de Champagne, des moines qui savaient décrypter l'hébreu. Et il va leur demander d'étudier les textes hébreux, de traduire les textes hébreux. Ça n'était jamais arrivé auparavant. Donc comment se fait-il que quelques années après avoir accueilli Rachi de Troyes, rabbin, à la cour de Champagne, il fasse venir des moines pour traduire les textes hébreux. C'est-à-dire qu'ils commencent à se poser des questions. Et comment se fait-il qu'ils aillent en 1104 à Jérusalem, à Troyes, à Troyes, le chiffre 3, et comment se fait-il qu'après, ils vont créer un ordre du temple qui va aller fouiller pendant 9 ans en dessous de cet endroit-là qui pensait être. Donc tout ça, c'est complètement lié. Et pour moi, la légende du Graal, elle est liée à ça. Et l'allemand, il faut en parler aussi parce que lui nous donne vraiment l'indice majeur. Donc Wolfram von Eschenbach, 20 ans plus tard, lui il n'est pas lié à la cour de Troyes. Par contre, il dit, les Templiers sont les gardiens du Graal. Et dans la même page, à un moment, il dit, ben voilà, le Graal, donc c'est une pierre, hein, et puis elle sera une pierre salvatrice, etc. Ça pourrait faire penser à la pierre philosophale, par exemple. Mais il dit, et le Graal s'appelle l'Apsi Texilis. Et ça, c'est super important. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui a fait une autre hypothèse que celle d'une faute d'orthographe. Parce que l'Apsit exilis, ça n'existe pas en latin. Donc c'est un auteur qui écrit en allemand. Il choisit un terme latin, volontairement. Et tout le monde dit, bon, il a dû faire une erreur, une faute de grammaire, une faute d'orthographe, parce que l'Apsit exilis. Et comme juste après, il parle d'une pierre, il dit, oh, c'est probablement plutôt lapis. Lapis, ça veut dire en latin la pierre. La lazuli, on connaît la pierre.
Et puis, bon, bah, comme la pierre, l'émeraude, tout ça, il y a une légende, une émeraude qui tombait sur le sol depuis le front de Lucifer a chuté sur la terre. Il avait une émeraude sur son front, donc bon, a priori, ça pourrait être l'émeraude qui est tombée du front de Lucifer. Et du coup, c'est devenu aussi dans une autre légende, le Graal, c'est une coupe taillée dans une émeraude. C'est la multiplication des hypothèses. Mais l'Apsit Exilis, comment peut-on soupçonner un érudit qui a fait ce genre de légende d'avoir fait une faute de grammaire, une faute d'orthographe? C'est juste imbécile. Donc, il suffit d'avoir fait un peu de latin pour dire qu'on peut le couper en morceaux. Et au lieu de dire l'Apsit Exilis en deux mots, ben on peut l'écrire en quatre mots ou en trois mots. L'Aps, it, ex, ilis. Même orthographe, sauf qu'on coupe les mots. Et là, ça veut dire quelque chose. Laps, quelqu'un qui relapse ou qui fait un lapsus. Donc ça veut dire une chute ou ça veut dire un reniement. Donc la chute ou le reniement, it, c'est le verbe aller en latin. Et it ex, c'est sortir de ou venir de. Et ilis, ça peut être cela. Donc traduction française de lapsit exilis, le reniement vient de cela. Et là, ça commence à devenir intéressant. Parce qu'on parle de reniement. Et là, on se dit que, tiens, Graal égale itinéraire initiatique. Tiens, on se dit, mais les Templiers ont été cramés. On parlait d'hérésie à l'époque. Donc la légende du Graal a été très vite repérée comme étant un reniement. Mais subtilement caché, parce qu'ils ne pouvaient pas le faire directement. Donc ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais lu nulle part. C'est que l'Apsit Exilis est un jeu de mots pour nous signifier que ceux-là, Ilis, étaient ceux qui reniaient. Et ça va nous ramener à un autre personnage, qui est une autre traduction de l'Apsit Exilis, mais cette fois-ci en trois mots. Laps, it, exilis, on va coller exilis. Et exilis, ça a une signification, ça veut dire les chétifs. Chétifs. Or, à l'époque, ça pareil, je suis tombé dessus par hasard, enfin par providence, il y avait un truc qui marchait à la veillée, qui s'appelait la chanson des chétifs. Les chansons de gestes hein, que les troubadours racontaient. Et il y avait un truc qui s'appelait la chanson des chétifs, donc Gesta Exilis. Et Exilis en un seul mot cette fois-ci. Or, qu'est-ce que raconte cette chanson des chétifs? Elle raconte les aventures après la libération d'un captif après la deuxième croisade, en 103-104. Et qui est. Alors qu'il y a six captifs, mais dans ces six captifs, il y en a un qui, comme par hasard, est quelqu'un qui a fait sauter sur ses genoux quand il était gamin, Hugues de Champagne. Donc on revient à la cour de Troyes avec Étienne II, la cour de Blois, Étienne II de Blois et sa femme, fille de Guillaume le Conquérant. Ces gens-là ont donc des frères. Hugues de Champagne, c'est le petit frère, il a 30 ans d'écart avec son grand frère. C'est énorme, mais il est tout gamin, quoi. Et donc ce couple-là, Étienne II de Blois et la femme de Guillaume le Conquérant, je ne sais plus son prénom. Ben, ils ont des dames de compagnie, ils ont des voisins, etc. Dans les dames de compagnie, il y a deux dames de Sully, famille de Sully, voilà, qui donnera plus tard le ministre d'Henri IV, hein, tout le monde connaît, mais c'est bien avant, évidemment. Et une de ces deux dames de Sully est mariée à un seigneur qui, comme par hasard, est le seigneur qu'on va trouver exactement au centre de tous les symboles du Graal ou des étoiles qui sont dessinées sur la France. Donc une espèce d'hommage. Et c'est illogique. Et ce gars-là, donc c'est le mari de la dame de compagnie, et c'est lui qui donc, il a connu, il a dansé avec eux, il a fait des banquets avec eux, etc. Et lui, il faut avouer son, il est seigneur d'un petit bourg qui est au centre de la France. Il va devenir par mariage avec cette dame de Sully, vicomte de Bourges. Bourges, on commence à avoir quelque chose d'important. Et il va devenir veuf. Et au moment de son veuvage, eh bien, il va dire, bon, bah, moi, je n'ai plus rien à faire là, je m'en vais en Terre Sainte, donc je vends tout. Et c'est là qu'il vend le vicomté de Bourges au roi de France. Et c'est de ce moment-là que le vicomté de Bourges va agrandir le royaume de France. Il s'en va en Terre Sainte et là, il est fait prisonnier. Et il est fait prisonnier pendant 2, 3 ans, on ne sait pas trop. Mais personne n'a de ses nouvelles, on ne sait pas trop. Et par contre, on va trouver dans des chroniques l'histoire de ce gars-là, l'histoire de sa libération. L'histoire des choses extraordinaires qu'il apprend. On ne dit pas ce que c'est. Je passe les différents épisodes, mais il revient en France. Il a vendu son vicomté, il n'a plus rien. Il a perdu son pognon, parce que là-bas, il a été évidemment pillé de tout son or ou de son argent qu'il avait pour partir là-bas.
Donc il n'a plus de terre, il n'a plus de titre, il n'a plus d'argent. Il passe voir le pape au passage pour lui faire part des choses extraordinaires qu'il a apprises. Et c'est là qu'on peut se questionner, mais c'est quoi ces choses extraordinaires? Okay? Et le lapsit exilis, le reniement vient de cela, est le lien, puisqu'il fait partie des exilis. Donc il y a quelque chose d'intéressant. Le pape va lui conseiller de se faire moine. À ce moment-là, les cisterciens ne sont pas encore très importants. Il va donc se faire moine à Cluny, qui est l'abbaye bénédictine majeure, il y a énormément d'abbayes bénédictines. Et il se fait moine à Cluny, évidemment, quelqu'un qui avait ce titre-là ne va pas rester petit moine. Il va immédiatement être nommé prieur de la Charité-sur-Loire, qu'on appelle aujourd'hui la fille aînée de Cluny. Fille aînée, normalement, c'est réservé à des abbayes, pas à des prieurés. Là, c'est un prieuré, il va avoir le titre de fille aînée de Cluny. Déjà, c'est pas mal. Et il va également faire construire, inaugurer en 1107, la deuxième plus grande église d'Europe à l'époque. Il met un prieuré, deuxième plus grande église d'Europe. Après Cluny, évidemment, il ne pouvait pas être plus grand que l'église de Cluny. C'est juste hallucinant comme truc. Vont venir à l'inauguration le pape en personne, le conseiller principal du roi, Suger, en personne. Donc, quelque part, c'est assez étonnant que ces personnages-là viennent là. Quand vous allez à la Charité-sur-Loire, vous visitez, les trois quarts qui sont tombés aujourd'hui, mais il y avait 750 chapiteaux, les chapiteaux au-dessus des colonnes, et aujourd'hui, il en reste 350. Sur les 350 chapiteaux, il n'y en a pas un seul qui représente une scène du Nouveau Testament. Pas un seul. Ça ne s'est jamais vu. Vous avez la deuxième plus grande église d'Europe, il n'y a pas une seule représentation sur les chapiteaux du Nouveau Testament. Toutes les représentations du Nouveau Testament sont amenées après, par d'autres religieux plus tard. Toutes les représentations qu'on a sont des lions, il y a le fameux bestiaire, donc c'est des monstres, etc. Le seul truc qui correspond, c'est l'agneau de l'Apocalypse, au plein centre du cœur, c'est tout. Et il y a trois scènes de l'Ancien Testament qui ont le point commun. Vous avez Daniel dans la fosse aux lions, vous avez Samson et les lions, et vous avez un personnage qui n'a rien à voir avec la Bible, qui est au milieu de deux lions également, c'est Gilgamesh. Le point commun en ces trois-là, d'abord c'est les lions. Le lion, c'est un emblème de Babylone. Et Gilgamesh, c'est les légendes babyloniennes. Donc tout nous renvoie à Babylone. Or, dans les chroniques médiévales qu'on peut vérifier, il y a un chroniqueur qui est témoin de Cluny, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui va interviewer ce personnage-là, sur son histoire, qu'est-ce qui vous est arrivé, etc. Il dit, voilà, j'ai été captif à Babylone. Tout le monde sait que Babylone n'existe plus. Donc il y a là une petite interrogation. Pourquoi il nous renvoie toujours à Babylone? Et c'est là qu'est le secret du Graal et du reniement. C'est-à-dire qu'en gros, il nous dit, réfléchissez, interrogez-vous sur l'influence de Babylone, l'influence babylonienne. Et de là, alors, il y a évidemment l'histoire de l'exil des Juifs, le retour à Jérusalem, là, on retrouve dans le même truc. Mais bon, ça nous emmènerait un peu loin, mais ce mot lapsit exilis, pour moi, c'est une clé super importante de compréhension de l'origine de ce truc-là. Alors ça, c'est pour l'histoire. Vous avez oublié la question, c'est quel est le rapport? Pourquoi s'intéresser aujourd'hui à ce genre de trucs médiévaux dont on pourrait se dire, rien à foutre, quoi. C'est pas... C'est qu'en fait, au moment où ça a été fait, il y avait déjà un conflit de valeurs, un conflit philosophique entre une perception du cheminement intérieur lié au libre arbitre, au cheminement individuel, et puis un dogme imposé par l'Église, par la loi, etc. Donc, ce que ce personnage-là qui était captif nous met dans l'oreille, c'est peut-être que tout n'est pas vrai dans ce qu'on vous a raconté. Et donc, on a parallèlement un combat. Donc, il y a, c'est le fond, on va dire, spirituel, le spirituel contre le religieux. Et il y a en même temps le politique. Donc, on a les rois de France contre les ordres religieux, opposés aux ordres religieux, et notamment l'ordre du Temple. Templiers, vision fraternelle. On fonctionne en réseau, on élit notre commandeur, d'accord? Les commandeurs entre eux vont élire leur précepteur, donc c'est le provincial, on dirait aujourd'hui, qui eux-mêmes vont élire le grand maître, donc tout se passe par élection. Et tout le monde est égal, chacun voit au chapitre, que ce soit chez les cisterciens, soit les templiers, chaque personne a le droit à s'exprimer. Pourquoi ça s'appelle les Templiers? Alors l'ordre du Temple, c'est parce que leur point de départ, leur nom au départ, c'est la milice des pauvres chevaliers du Christ et du Temple de Salomon.
C'est le nom qu'ils choisissent dès le départ. Milice des pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon. Donc c'est les chevaliers. Alors oui, c'est leur nom, la milice des pauvres chevaliers. Après, il y a dans l'ordre du temple, il y aura très peu de chevaliers, il y aura beaucoup de sergents et beaucoup de personnel, le petit personnel, on va dire, qui n'était pas. Donc il y a une petite minorité de chevaliers, grande partie de sergents, hein, qui sont eux en noir, pas en blanc, hein, ils sont en noir. Et puis après, des fermiers, des viticulteurs, des bûcherons, enfin qui travaillent pour l'ordre, quoi. On pourrait appeler des frères converts dans d'autres ordres. Et pourquoi l'ordre du temple? Donc quand ils vont aller à Jérusalem. Donc là, on est en 1118, on dit qu'ils sont neuf, ils ont probablement du petit personnel avec eux déjà, hein, au départ. Ils vont demander au roi de Jérusalem de l'époque, donc qui est un roi franc, hein, je crois que c'est Baudouin, je suis plus sûr, mais je crois que c'est Baudouin, ils disent, ben, où est-ce qu'on peut s'installer? Et ils vont s'installer dans ce qui est aujourd'hui la mosquée Al-Aqsa. Donc il y a deux mosquées, hein, Jérusalem sur l'esplanade des mosquées, il y a celle du Dôme du Rocher, la mosquée Al-Aqsa. Et le palais royal de Jérusalem, c'était la mosquée Al-Aqsa, la mosquée rectangulaire qui est au bout de l'esplanade. Et on va leur donner toute une aile de ça pour s'installer. Et à l'époque, on pense que le Dôme du Rocher est le temple de Salomon. Or, dans leurs règles, vous devez aller faire, vous devez participer aux offices des chanoines réguliers qui sont dans dans ce qui était présumé le temple de Salomon. Donc ils allaient faire leurs prières, leurs offices, dans ce qu'ils croyaient être le temple de Salomon. Et ils ont fait des fouilles, ils ont fait des tas de choses pendant 9 ans, au pied du temple de Salomon, d'où le mot templier. Parce que pauvre chevalier du Christ et du temple de Salomon, c'était un peu trop long. Mais d'où le lien aussi avec Rachid de Troyes et le judaïsme, c'est comment se fait-il qu'un ordre chrétien, dès le départ, se dise nous sommes chevaliers du Christ et du temple de Salomon. Donc d'entrée, on met le christianisme et le judaïsme ensemble. Et dans ce que je découvre, pourquoi je fais ces hypothèses sur le Graal? C'est grâce à ce que j'ai découvert écrit sur la France par les Templiers. Moi, je ne savais pas que ça correspondait au Graal, le truc-là, ce qu'ils avaient dessiné. C'est en découvrant ce qu'ils ont dessiné, je dis, ouais, mais ben c'est marrant, ça ressemble vraiment, quand on trace certaines lignes, à ce qu'on appelle le graffiti du Graal, que des Templiers captifs en Dordogne, une forteresse à Dôme en Dordogne, on voit encore hein, ce graffiti dans la pierre, et les gens appellent ça le graffiti du Graal, ça ressemble à une coupe, il y a des lignes, etc. Et comme par hasard, ça ressemble aux lignes de ce que j'ai découvert sur la France. Bon, donc, moi, je fais le rapprochement. Et donc, le Graal des Templiers, pour moi, c'est le Graal original. Le Graal transformé, c'est ce que l'Église a compris. Ouh là là, ils se sont liés, ils se sont accoquinés avec les Juifs, donc ils sont en train de nous faire un coup fourré, là, ça ne va pas du tout. Et au final, 200 ans plus tard, c'est pour ça qu'on va, entre autres, pour ça qu'on va les supprimer, bien entendu. Il y a un côté un peu hérétique. Et il y avait un élément de ta question que tu posais, ce qui était. Non, mais c'est bon, ne... hein. Pourquoi les Templiers? C'est ça, oui. Pourquoi les Templiers? Parce qu'ils étaient installés sur le temple de Salomon, sur qui pensait être le temple de Salomon à ce moment-là, quoi. Pourquoi Salomon, c'est important? Il y a l'histoire. Salomon, c'est le fils du roi David. Donc, dans l'histoire d'Israël, le roi David est celui qui, pour la première fois, donne au peuple juif un royaume. Et Salomon va construire le temple qu'il va donner. Est-ce que c'est de la légende, est-ce que de la vérité, ça, différents archéologues débattent là-dessus. Moi, je me prononcerai pas. Mais donc, Salomon, c'est celui qui a construit le temple de Salomon. Et mythologiquement, il est important. Les francs-maçons ont repris toute l'histoire de Salomon, le sceau de Salomon. Enfin bon, il y a plein de choses autour de Salomon qui est quand même le cantique des cantiques de la Bible écrit par Salomon. Donc il y a quand même une référence importante de ce personnage-là, quoi. Puis alors la légende avec la reine de Saba, truc autour de l'arche d'alliance aussi. L'arche d'alliance aurait disparu au temps de Salomon. Je rentre pas là-dedans, mais ouais, c'est quand même un personnage super important. Quoi. Il a vraiment existé? Certains disent que non. Là, je n'ai pas ma compétence. Là. Et aujourd'hui, pour moi, le fait que des histoires comme ça ressortent, je ne suis pas tout seul, puisqu'il y a un autre gars qui a retrouvé également une œuvre templière de géométrie sacrée sur toute la Provence. Donc tout ça, c'est en train de sortir maintenant. C'est assez bizarre, quoi. Et pour moi, ça a vraiment une signification actuelle dans la mesure où ça offre des clés pour prendre du recul sur ce qui se passe et se dire, mais les enjeux politiques sont en fait une répétition d'enjeux politiques qu'il y a déjà eu par le passé. Après, il y a un mélange, évidemment, parce que je pense que le mondialiste d'aujourd'hui
ont mélangé le pire des deux systèmes. Ils ont pris l'absolutisme des rois et ils ont pris la vocation internationaliste de l'ordre du temple, mais du mauvais côté des choses. Alors que si on revient à les vœux des Templiers, c'est les vœux de pauvreté, d'obéissance, de chasteté, quoi. On est dans des vœux où il y a un effort individuel, il y a un cheminement individuel. Je pense que c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est effectivement un pouvoir de type absolutiste qui essaye d'éliminer toute forme de communication qui ne correspond pas à ce qu'il a envie de faire passer. C'est exactement ce qui s'est passé avec cette affaire des Templiers et du Graal. Puisque quand l'Église de Rome vient transformer la légende du Graal pour dire ouais, c'était le calice qui a recueilli le sang du Christ, ils avaient bien compris que la légende marchait bien et que des gens pouvaient commencer à comprendre qu'il y avait comme signification derrière. Et puis surtout, cette fameuse Lapsit Exilis, à l'époque, tout le monde comprenait. Le texte était connu, cette chanson d'Échectif. Donc, alors, ça fait référence à tel bonhomme. Tiens, tel bonhomme, il a fait une église. Donc, on imagine qu'un certain nombre de personnes pouvaient commencer à tilter. Donc, l'église de Rome n'a pas laissé passer. Alors, aujourd'hui, l'église de Rome n'a plus le pouvoir qu'elle avait avant, mais voilà, on a des médias modernes qui ont le même genre de pouvoir, quoi, par rapport à d'autres sujets.